Johanna, Luis Miguel, Daniela et Pilar arrivent au champ des cigognes. Johanna essaie de gagner du temps, Mara est sur le chemin. Luis Miguel demande à Johanna si c'est nécessaire d'attendre son passé. Johanna lui demande d'attendre encore un peu Mara. Daniela crie sur Johanna, elles sont pressées. Johanna lui dit qu'elle veut se soulager. Pilar et Daniela s'énervent. Le jet décolle, Mara arrive, elle voit juste un avion voler. Luis Miguel et Johanna voient Mara, Johanna crie Mara. Luis Miguel ouvre la porte de l'avion, Mara le voit, elle est choquée. Luis Miguel se jette dans l'eau. Mara crie Luis Miguel. Tout le monde panique. Mara part le secourir. Elle le sort de l'eau. L'avion fait demi-tour. Mara se met à pleurer. Elle lui dit Luis Miguel, je te croyais mort dans cette explosion, je t'ai pleuré pendant une année. Johanna les rejoint et dit à Mara que Luis Miguel a perdu la mémoire. Pilar ajoute qu'il a une balle logée dans la tête. Luis Miguel lui demande si c'est elle Mara puis lui dit qu'il sait juste qu'elle s'appelle Mara. Mara lui dit qu'elle est sa femme, ils ont même deux filles Luigi et Rosario. Luis Miguel lui dit quoi deux filles, on m'a créé une autre histoire. Pilar dit à Mara de ne pas lui donner beaucoup d'informations parce que ce n'est pas bien pour lui. Pilar dit à Luis Miguel qu'ils doivent partir parce que ces gens sont toujours à sa recherche. Ce dernier refuse. Daniela ne fait que bouder, elle dit que Luis Miguel sera maintenant collé à Mara. Rui demande à Tomé comment ça se passe avec Mara. Il lui dit qu'ils sont ensemble maintenant et il sait juste qu'il aime cette femme. Rui le félicite. Mara raconte à Luis Miguel comment ils se sont rencontrés à Luanda. Elle lui dit qu'elles ont un fils qui s'appelle Kandimba, c'est leur premier enfant avant les filles. Elle lui dit encore qu'il a adopté en Angola et que Kandimba les a réunis. Sans lui ils ne seraient pas ensemble. Mara ajoute qu'ils se sont mariés deux fois, Luis Miguel s'étonne, il lui demande deux fois. Elle répond oui, et lui dit que leur relation était très compliquée et n'était pas acceptée de tous. Les filles rentrent avec la nounou. Mara demande aux filles de dire bonjour à leur père. Luigi demande à son père de jouer avec elle. Pilar demande à Johanna ce qu'elle a fait. Daniela la traite d'idiote. Johanna leur dit une idiote qui a bien foiré vos plans. Pilar lui dit que les gens qui ont kidnappé Luis Miguel sont toujours à sa recherche. Elle leur demande si elle croit qu'elle ne savait pas que leur but était de séparer Mara de Luis Miguel. Pilar dit encore à Johanna que son père va l'abandonner pour Mara. Johanna lui répond que ce qui l'intéresse c'est de voir son père heureux. Pilar lui dit que tant que son père sera avec Mara, sa vie sera toujours en danger. Daniela lui demande si elle peut le comprendre. Johanna quitte la pièce. Daniela demande à Pilar ce qu'elle doit faire sinon Mara dira tout à Luis Miguel. Pilar demande à Daniela de se calmer, elle lui dit qu'elle ne s'est pas échappée d'une prison de Luanda à cause de Mara. Daniela lui dit encore que Luis Miguel va les détester. Pilar lui dit que Luis Miguel comprendra, elle ajoute qu'il doit comprendre que sa vie est en danger. Elle lui dit encore que n'importe qui comprend cet argument. Daniela lui dit qu'elle a bien vu la façon qu'il regardait Mara. Elle dit encore que ça va recommencer, Luis Miguel va commencer à lui rappeler qu'elle le dégoûte. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas le supporter. Pilar lui demande de disparaître si elle ne peut pas. Elle lui dit qu'elle n'a jamais été à la hauteur de ce qu'ils attendaient d'elle, ni de son fils. Elle lui demande encore de retourner à sa petite vie. Elle ajoute qu'elle peut être spectatrice du bonheur de Mara et Luis Miguel. Mara demande aux enfants de faire un bisou à leur père. Luigi lui montre ses jouets. Mara lui parle de l'accouchement des filles qui était difficile, elle lui raconte que Rosario était née avec le cordon ombilical au cou et que heureusement elle savait s'y prendre. Mara lui dit que la naissance de leur fille a été un vrai miracle pour eux comme leur amour. Mara dit à Luis Miguel que les enfants se souviennent de lui. Luis Miguel lui répond qu'il aimerait tellement dire la même chose, mais malheureusement il a vécu une mascarade, ils lui ont créé une vie fictive. Mara lui demande de ne pas s'inquiéter, elle l'aidera à retrouver la mémoire. Daniela est très énervée, elle demande à Johanna d'avancer. Xavier se rend chez Pilar, il lui dit qu'il a vu Daniela et Johanna en bas, puis lui demande s'il y a un problème. Elle lui dit ce qu'il a plutôt créé. Xavier dit à Pilar qu'en général il emmène souvent des solutions. Il lui dit encore que très prochainement il aura une piste sur Luis Miguel. Pilar lui demande de bien la regarder puis de lui dire ce qu'il voit. Il lui répond qu'il voit une mère désespérée. Pilar lui demande de l'épargner des blablas, puis lui dit qu'elle a horreur des brutes qui jouent les malins. Xavier lui répond que lui des menaces, il ajoute que ça lui rend nerveux. Pilar lui dit qu'il a pris son argent pour lui ramener son fils et il était prêt à le remettre à Norberto.
Xavier lui répond qu'il n'en avait pas l'intention. Pilar lui demande d'assumer puis lui dit encore qu'il était prêt à la trahir pour de l'argent. Elle lui demande encore s'il sait avec qui est son fils actuellement. Elle lui dit qu'il est avec Mara qui est prête à tout lui dire. Xavier lui dit que c'est un contretemps, Pilar lui dit, un contretemps pour lui qui ne verra plus un sou et qui vient de gagner un ennemi. Xavier lui répond qu'elle aussi vient de gagner une tonne de travail. Il lui demande comment elle fera pour expliquer la disparition de Luis Miguel pendant ces une année. Il lui dit qu'il sait qu'elle trouvera toujours ses stratagèmes habituels, mais son fils Luis Miguel ne le lui pardonnera pas. Pilar répond qu'il va l'aider parce qu'il l'a trahi. Xavier lui dit qu'il ne lui doit rien, Pilar menace de le dénoncer vu qu'elle n'a plus rien à perdre. Xavier rit, puis lui dit qu'il aime les femmes fortes parce qu'elles lui rappellent sa mère, il ajoute que c'est Alzheimer qui l'a tué. La femme de ménage a tout entendu. Quand Dimba et Neusa rentrent, quand Dimba court vers Luis Miguel, Mara fait les présentations. Quand Dimba lui demande s'il ne se rappelle plus de lui. Quand Dimba lui dit qu'ils se sont connus en Angola, il avait pris tout son argent, Luis Miguel lui demande comment ça. Quand Dimba pense à leur rencontre en Angola. Mara lui dit que Quand Dimba est leur ange gardien. Neusa dit à Quand Dimba qu'elle lui avait dit que Luis Miguel ne se souvenait plus de rien. Mara montre la salle de bain à Luis Miguel, elle lui dit qu'il aimait passer des heures dans le bain. Elle lui dit qu'elle a appelé son père, ce dernier les attend, elle ajoute qu'il a réuni la famille. Luis Miguel lui dit mon père. Mara lui répond oui. Luis Miguel lui dit encore un mensonge de ma mère. Luis Miguel est un peu gêné de se déshabiller devant Mara. Mara prend Neusa dans ses bras puis pense à leur mariage. Alfonso fait appel à Tomé. Il lui demande comment s'est passé le match d'Alex au stade de Luz, il lui dit bien, et qu'Alex était content. Tomé lui demande s'il est passé voir Thiago et comment il va. Il lui dit qu'il y était, et que Thiago est toujours aliéné ou il fait semblant. Il lui dit encore qu'il a perdu un fils une nouvelle fois, Tomé lui demande s'il le tient toujours pour responsable. Alfonso lui répond qu'il avait juste 15 ans et il lui a fait porter un poids trop lourd. Il lui dit encore qu'il espère un jour que leur famille se réunira. Le docteur reçoit un appel, Tomé est content. Pilar dit à tout le monde qu'elle est rentrée de Paris il y a peu. Et elle a demandé à réunir tout le monde. Concha l'interrompt en lui demandant si la tour Eiffel est toujours à sa place. Yolanda lui répond que non, elle a dû être touchée par une bombe dénommée Pilar. Georges ajoute, la même qui a explosé au château d'Almorol. Enrique lui demande pourquoi elle ne dit rien, Francesca aussi lui demande pourquoi elle les a fait un truc pareil. Santiago complète à votre propre famille. Pilar leur dit que tout cela a une explication, Norberto lui répond qu'il l'imagine bien, Georges lui dit qu'il sent qu'il ne va pas aimer l'explication. Pilar leur dit que Luis Miguel est bien vivant, Yolanda lui répond qu'il croit en elle. Pilar leur dit qu'elle a tout fait pour le sauver. Georges lui dit qu'elle a voulu lui faire croire que son fils était mort. Pilar lui dit que tout était de la faute de Mina. Elle leur dit encore que c'était une vengeance de sa part. Elle a enterré Antonio son fils, et elle voulait aussi qu'elle enterre le sien. Enrique lui demande où est sa mère. Elle lui répond quelque part dans l'ombre, en train de menacer la vie de son fils. Norberto lui demande si elle a des preuves de ce qu'elle affirme. Elle répond que oui, elle en a plusieurs. Norberto les lui demande. Elle leur demande s'il croit que ça a été facile pour elle de rester des nuits au chevet de son fils et attendre qu'un médecin lui dise de ne pas perdre espoir. Elle remercie Dieu que Luis Miguel ait survécu même en ayant une balle logée dans le cerveau. Norberto lui demande une balle. Elle leur dit oui, les médecins lui avaient expliqué qu'une intervention n'était pas possible, parce que la balle s'était logée dans une zone du cerveau qui pouvait être fatale. Elle ajoute que la balle a provoqué des lésions, Luis Miguel souffre d'amnésie rétrograde. Elle leur dit qu'il a tout oublié, même le jour de l'attentat, toute sa vie. Luis Miguel entre et lui dit qu'elle lui a caché qui il était, et elle lui a même inventé une vie passée. Pilar lui demande comment il ne comprend pas qu'elle devait le faire pour le retenir et l'empêcher de revenir. Mara lui demande si elle devait le cacher d'elle qui est sa femme, de ses filles et de toute sa famille, elle lui demande encore si c'est ça le protéger. Pilar dit à Mara qu'elle lui a sauvé la vie et elle devrait la remercier. Mara lui demande la remercier de quoi? D'avoir fait de sa vie un enfer pendant un an, de l'avoir caché sous prétexte de protection. Pilar crie, en lui disant que ce n'était pas un prétexte et c'est réel. Elle leur dit encore qu'une fois Luis Miguel a mis les pieds à Lisbonne, il a été enlevé.
Luis Miguel leur dit que c'est vrai. Quand il est revenu, on l'a enlevé. Pilar leur dit qu'elle a encore réussi à le sauver, Norberto lui demande comment. Pilar leur dit qu'il est toujours en danger, parce que Mina et son organisation ne vont pas en rester là. Georges lui dit qu'elle n'aurait pas dû les cacher ça. Il lui dit encore qu'il ne lui pardonnera jamais. Pilar lui répond qu'elle ne s'attendait pas à son pardon. Elle leur dit que personne dans la salle ne peut lui dire qu'elle a fait quelque chose pour nuire à son fils, seule elle qui sait. Elle leur dit qu'elle a passé un an de sa vie loin de tout dans un trou perdu, apeurée, terrifiée que quelqu'un ne débarque pour lui faire du mal. Georges lui demande d'arrêter de faire la comédie, il lui dit qu'ils connaissent tous ses talents de comédienne. Elle demande s'il croit qu'elle joue de la comédie, elle lui demande encore s'il croit qu'elle pourrait jouer avec la vie de son propre fils. Luis Miguel lui demande de sortir, Pilar lui demande comment il ose se retourner contre elle. Luis Miguel lui dit qu'il ne va pas le répéter. Pilar part. Tout le monde le prend dans ses bras, Concha leur dit que le cauchemar est terminé, et que l'heure est venue de le fêter. Tomé laisse un message à Mara qui ne décroche pas. Il espère que les petites vont bien puis lui demande de rappeler quand elle lira le message. Il lui dit encore qu'il l'adore. Georges est très content que son fils ait en vie et en bonne santé. Yolanda lui dit qu'il a quand même une balle dans la tête. Et perdu la mémoire. Georges lui dit l'important c'est qu'il soit de retour. Yolanda lui demande s'il a cru à l'histoire de Pilar, elle lui dit encore qu'elle lui a semblé trop bien préparée. Georges lui répond qu'elle va devoir donner des explications pas à lui mais à la police parce qu'il a demandé à ce qu'on rouvre le dossier. Il ajoute qu'il ira jusqu'au bout de cette histoire. Pilar regarde les photos de son fils, elle pleure. Mara donne des draps à Luis Miguel, elle se rend dans sa chambre, consulte son téléphone et hésite de lire les messages. Tomé attend l'appel de Mara. Benedicta examine Marco, elle demande à Rafaela de ne pas trop le couvrir. Rafaela lui dit qu'il y a deux fois elle se dit qu'elle ne mérite pas Marco. Benedicta lui dit que c'est une bonne maman, et que Marco a de la chance de l'avoir, elle lui dit encore qu'elle lui a donné une famille et une vie décente. Rafaela lui fait comprendre qu'elle a peur quand il fait de la fièvre, elle se dit que c'est peut-être une maladie grave. Benedicta lui dit c'est de l'amour, puis lui dit encore qu'elle n'est pas sûre si c'est ça l'amour vu qu'elle n'a jamais aimé. Rafaela lui demande pourquoi elle n'adopte pas un enfant ou trouver un père pour l'enfant. Elle lui demande encore comment va Tomé. Benedicta lui répond qu'il est complètement accro à Mara. Soraya frappe à la porte, elle demande à voir Marco. Rafaela lui dit qu'il est malade, il se repose. Soraya lui demande ce qu'il a, Rafaela lui dit rien d'incurable puis lui demande de partir. Soraya lui dit qu'elle reviendra le voir parce que Marco est son fils.